Hello les gars, donc ce matin nous sommes lundi 14 février, voilà le petit déj qui propose, donc 40 grammes de pain aux céréales, donc ça c'est du pain aux céréales, mais sauf que je sais pas si ça fait 40 grammes de tranches. Bon, écoutez, ça me paraît un peu light comme petit déj, donc je veux prendre deux tranches, ok? Donc du beurre, un kiwi et thé ou café. Donc voilà. Ah, et je vous montrerai du coup la quiche au thon avec la petite salade verte qu'on va faire tout à l'heure. Du coup voilà, je vais vous montrer ce qu'il m'a offert. Il est trop mignon, je vais vous montrer. Comme c'est la Saint-Valentin. Alors, je m'y attendais pas du tout. Parce que bon, on s'était dit que cette Saint-Valentin, comme on a plein de trucs, alors... On fêtait pas cette Saint-Valentin, mais finalement, il m'a fait un petit bouquet de fleurs. C'est trop mignon. Oh my god, regardez-moi les roses. Waouh. Et avec, j'ai eu ça. Alors ça me prouve qu'il avait organisé depuis longtemps, parce que ça se prépare. Alors, c'est un puzzle. C'est un puzzle de nous. Un puzzle personnalisé, mais trop bien, je suis trop contente, c'est trop une trop bonne idée cadeau les gars. Du coup il y a 500 pièces, il m'a dit, et du coup c'est nous quoi, c'est nous. Du coup je vais commencer le puzzle, oh c'est trop bien, c'est une trop bonne idée cadeau. Et voilà mon repas croque-kilo de, on est lundi 14 février midi, donc vous voyez la quiche au thon qu'on a fait hier, quiche sans pâte je précise, salade verte, petite vinaigrette et ça c'est de la pamplemousse et une clémentine avec une infusion. Bon appétit! Hello les gars, je voulais vous parler de quelque chose. Donc en fait, je suis allée sur l'application Croque-Kilo pour voir un peu comment ça se passait. Donc en fait, sur l'ordinateur, c'est différent que sur l'application. En fait, sur l'application, c'est un peu plus restreint au niveau de la visibilité, on va dire. Sur l'ordinateur, c'est beaucoup mieux parce que en plus, on peut imprimer nos menus. C'est ce que j'ai fait là. J'ai imprimé nos menus avec la liste des courses qui correspond. Et donc, du coup, je pense que ça sera mieux parce que comme ça, on peut les regarder d'avance. Ouais, ce sera plus facile d'avoir tout ça en visuel. Du coup, voilà, là, il y a l'espace tableau de bord, où en gros, on a la courbe du poids, tout ça, l'historique, ça, c'est la recette du jour, enfin, voilà. Donc, ça, c'est mon plat qu'on a mangé aujourd'hui. Je vous montre en exclu, hein, voilà comment ça se présente, comme ça, si jamais vous êtes intéressé, restez connectés, je vous ferai une revue là-dessus et il y aura sûrement un code promo pour vous. Alors, pour les menus, donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a tous les menus de la semaine. Voilà, tous les menus de la semaine et ici on peut imprimer et comme vous pouvez le voir, ben voilà, c'est ça en fait, c'est tout là. Donc du coup c'est trop cool, c'est ce que je cherchais en plus que, et là aussi on a la liste de courses, pareil sur l'ordi, que on peut imprimer. Donc voilà, si vous n'êtes pas trop application téléphone et tout, vous pouvez imprimer ici votre liste de menus. Du coup c'est cool, donc là on a quoi, on a pareil les recettes. Voilà, vous pouvez chercher des recettes, des trucs. Ah oui, ça, c'est les recettes, genre, de la semaine. En gros, les plats que vous allez cuisiner. Par exemple, nous, ce soir, c'est ça. Nous, ce soir, c'est ça, c'est le menu de la Saint-Valentin. Après, ce que je voulais dire, ceci, c'est qu'on peut modifier. Par exemple, un truc qu'on veut pas. Par exemple, imaginons, on voulait pas la quiche autant qu'on a mangé ce matin, enfin, aujourd'hui. Du coup, là, je vais faire modifier. Et là, en fait, je peux choisir dans la liste des trucs qui correspondent au nombre de calories qu'il me faut. Hein.
Parce que sinon, si ça dépasse les calories, je pense que ça apparaît en rouge. Voilà. Là, c'est-à-dire que genre, on va dépasser nos calories en fait par jour. Et voilà, vous avez plein de choix, donc vous pouvez choisir. Du coup, voilà, j'en apprends un peu plus sur l'application. Du coup, je voulais vous montrer. Donc voilà. Voilà, voilà. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, nous sommes lundi. Donc nous sommes lundi 14 février. Aujourd'hui, du coup, je vais faire une petite séance d'abdos. Valu, il n'est pas là. Il bosse là. Du coup, il va faire sa séance quand il rentre. Donc il devrait rentrer vers 18h30, 19h. Du coup, il fera sa séance après. Et après, je vous montrerai, j'irai préparer le repas. Normalement, on a un repas spécial Saint-Valentin aujourd'hui. Donc, on a hâte. Et je prépare aussi le repas de demain midi. Du coup, voilà. Mais ça va au niveau des temps de préparation de chaque repas. C'est pas énormément de temps. Donc au final, ça va. Écoutez, croque-kilo pour le moment, ça va, ça se passe bien. D'ailleurs, ma cousine, ma sœur, passe par là. Elle m'en avait déjà parlé il y a longtemps, mais c'est vrai que, je sais pas, ça m'était sorti de la tête. Et du coup, là, franchement, je trouve ça trop bien, trop pratique au niveau de l'organisation, quoi. En fait, j'ai pas du tout, en fait, au niveau charge mentale, ça me libère ce truc-là. J'ai plus à me dire, oh, je dois faire les menus, déjà trouver des idées pour faire les menus. Ensuite, faire la liste des courses qui va avec chaque repas. Et ensuite, faire les courses. Donc ça me prenait un temps quand même. Et là, en fait, j'ai juste à imprimer. Et à suivre. Et voilà, on essaye de manger ça. Après, il me faut peut-être une balance. Il faut que je commande une balance parce que pour peser les aliments, j'ai pas l'habitude de peser les aliments. Du coup, je fais à l'œil comme ça. Mais pour être bien réglé, vous l'avez vu, c'était quand? Hier. Hier, je crois, Valio, le riz, il a très mal dosé le riz, du coup, il en avait trop. Et au final, du coup, comme quoi, il vaut mieux respecter les doses qu'il donne, parce qu'au final, c'est suffisant, quoi. Donc, voilà. Séance de sport terminée ce soir, c'est on est là lundi soir, magret de canard poêlé et nous on va faire purée de patates douces à la place. Donc voilà, il y a aussi un soufflé au léger au chocolat et on va aussi préparer notre repas de demain midi qui est du blanc de poulet et son chou-fleur et une tranche de pain campé et clémentine. Comme ça, ce sera prêt pour demain vu que demain on travaille et tout, du coup on n'a pas le temps. Du coup, on va tout préparer ce soir, donc c'est parti. Du coup, on a deux repas à préparer, donc le repas dès demain et le repas de ce soir. Donc comme vous savez, ce soir, c'est un dîner un petit peu romantique, vu que c'est la Saint-Valentin. Donc il y a magret de canard poêlé et purée de céleri. Donc comme je vous ai dit, j'ai pas trouvé de purée de céleri, du coup j'ai pris ça, écrasé de patates douces. Au niveau des composants, j'ai vu que c'était assez bon, enfin au niveau glucides, vous voyez, il y a 28 grammes pour 200 grammes. Donc ça va le faire, c'est pas énormément calorique, il y a 241 calories, donc franchement ça va. Et donc on a les aiguilles, donc pour le moment il n'y a que ça comme ingrédient pour ça, ouais, sel et poivre et voilà. 10 minutes de préparation, 35 minutes de cuisson et c'est 459 calories. Du coup voilà pour ça, sachant que ça c'est pas vraiment du magret de canard mais comme ils ont dit du magret de canard sans peau, du coup on a pris des aiguillettes de canard, donc on verra si c'est la même chose, voilà. Ensuite, nous avons normalement pour le dessert, vu que ce soir, c'est voilà, c'est la petite Saint-Valentin, donc ils ont fait un petit dessert un peu sympa. Donc, nous avons le soufflé léger au chocolat. Donc, voilà les ingrédients. Donc, ils disent 40 g de chocolat noir, 20 ml de lait demi-écrémé, du sucre roux que moi, je remplace par le sirop d'agave, comme je vous ai dit. Le sucre, on essaye vraiment de limiter parce que, voilà, on n'est plus trop habitué maintenant et ça nous va bien comme ça. Deux œufs, et voilà, dans les petits ramequins. Attention, c'est pas un truc genre qui va durer toute la semaine. C'est vraiment le petit plaisir de ce soir. Donc, très petite quantité, comme vous pouvez le voir.
très petite quantité. Donc voilà pour ça. Et ensuite, on va préparer le repas de demain midi qui est là. Donc voilà, c'est du poulet avec du chou-fleur. Donc 5 minutes de préparation, 10 minutes de cuisson. Donc le chou-fleur, du blanc de poulet, du curry, sel, poivre qui est là. Donc voilà, comme ça, on a tout préparé les ingrédients. Hop, et on va voir combien de temps ça va me prendre. Ok, c'est parti, 20 minutes. Ah, c'est ça qui prend un peu plus de temps. 20 minutes de préparation pour le souffle au chocolat. Donc je vais le préparer maintenant. Du coup, je vais vous mettre par là, je pense. C'est pas mal. Ouais, là, ça m'a l'air plutôt pas mal. On avance en avance, donc ça c'est pour demain. On va le faire cuire au air fryer le poulet. Le chou-fleur il va bouillir là-bas. La purée de patate douce elle est prête. Ensuite on fera les aiguillettes de poulet. Je vais les faire mariner là et on va les faire cuire au air fryer. Et finalement, je crois que j'ai eu un problème avec le dosage. Je crois que j'ai mis trop de lait parce que 20 ml de lait, je crois que j'ai mis 100 ml. Du coup, voilà, ça fait. On n'a pas fait les gourmands les gars. Ça fait 5 petits cupcakes. Et du coup là je vais mettre au four. Et voilà le repas de ce soir. Donc nous sommes lundi 14 février. C'est la Saint-Valentin. On mange du magret de canard. Enfin des aiguillettes de canard. Purée de patates douces. Le petit souffle au chocolat, écoutez, il m'a l'air tarpin bon. Vous voyez, ça m'a l'air bien moelleux à l'intérieur. Bon appétit! Et aussi, je voulais vous montrer le repas de demain. Oh my god! Par contre, ça m'a l'air trop bon. Donc, c'est le poulet avec les choux-fleurs. Nous, on n'avait pas d'huile de coco, du coup, on a mis de la crème fraîche au curry. Ça m'a l'air trop bon. Donc ça c'est pour demain midi. Donc pour faire la gamelle, je vais faire la gamelle juste après. Du coup voilà. Hello mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi 15 février et je vais faire mon sport. Donc aujourd'hui je suis avec ma cousine qui est là. Hello! Voilà, et du coup, on va faire ensemble en simultané. Alors, comment ça marche? Eh ben, on met la même vidéo YouTube, on se coordonne pour appuyer play en même temps. Plutôt que de faire tout seul, c'est déprimant. Donc, voilà. Hello les gars, je vous retrouve en cuisine. Je suis encore avec ma cousine, souvent en cuisine en simultané. Du coup, ce soir, on va continuer les plats croque kilo. Vous voyez, je suis sur l'application croque kilo. Donc, on a pour le dîner du risotto rosé. Ça s'appelle risotto rosé et un yaourt nature. Alors, pour le risotto rosé, j'ai une recette comme ça à suivre. Voilà, qui est bien notée. Elle est notée 4,9 sur 5. Ça m'a l'air pas mal. Alors du coup on a besoin, je vais préparer tous les ingrédients. Alors, les gars, gros chantier, j'attaque le deuxième plat qui est pour demain. Donc c'est ça, c'est du riz aux carottes, du vichy et des tofu. Alors malheureusement je n'ai pas de tofu, donc je vais mettre du jambon. Voilà, j'ai coupé des petits jambons, les carottes, 400 g de carottes. Et du coup je vais suivre la recette. Apparemment c'est du riz sauté, j'ai fait chauffer le riz. Là j'ai mis les bonnes quantités les gars, normalement ça devrait être bon. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, alors j'ai terminé le premier plat, donc le plat pour ce soir. Donc voilà à quoi il ressemble. Et voilà mon repas pour ce soir.
Donc j'ai donc ici le plat, j'ai goûté, c'est trop bon. Du coup j'ai le yaourt nature normalement, mais du coup j'ai pris j'ai mis quelques fraises dedans parce que bon voilà, un petit peu de sucre et une infusion, voilà. Et sinon je suis en train de préparer le plat pour demain, donc là les carottes sont en train de bouillir tranquillement. Et donc après je vais faire sauter avec le riz et les œufs et le jambon, voilà. Donc ce soir c'était une salade avec une sauce que j'ai suivie, j'ai re-suivi la recette. Du coup il y a le poulet avec, je mets des petits morceaux de poulet que j'ai fait au air fryer. Voilà voilà le repas de mercredi soir. Voilà, demain midi, ce sont des lentilles. Lentilles à la viande hachée, ça a l'air très très bon. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, il est 19h23. Je n'ai pas fait mon sport parce que je suis rentrée il y a à peine 20 minutes. Voilà, je suis rentrée assez tard du travail. Non, pas de sport aujourd'hui, mais on va essayer de faire ça demain. Donc demain c'est vendredi, d'habitude c'est le jour off, mais là, comme on vous a dit, il faut qu'on fasse 3 séances minimum par semaine, comme ça on a le bon rythme et on lâche pas quoi. Et du coup je vais vous prendre, là on va faire les menus pour demain. Bon, ce soir et demain, donc les lentilles c'était très bon à midi, j'ai bien aimé. Du coup ce soir c'est brochetta saumon et poivron vert. Je sais pas ce que ça donne, voyons voir. Alors, tranche de pain complet, poivron, échalote, jus de citron, olive, saumon fumé. Donc ça, ça a l'air simple. Normalement 10 minutes de préparation, 5 minutes de cuisson, ça devrait aller vite. Et pour demain midi... Ça, alors ça, j'ai trop hâte de manger. Salade de betterave et burrata. C'est parti! Alors voilà, les deux plats sont prêts pour ce soir. Ça va, franchement c'était assez rapide, il fallait juste mixer les poivrons avec l'échalote et du citron avec de l'huile d'olive et ensuite mettre sur le pain et avec les tranches de saumon. Ça a l'air trop bon en tout cas. Donc voilà, assez simple pour ce soir et là je vais attaquer la salade pour la burrata, donc pour demain. Donc je vais mettre aussi pour ma gamelle, donc un plat pour Valio et une gamelle pour moi comme ça. Du coup voilà. Et voilà le repas de demain midi. Donc la burrata est noyée bien sûr, mais elle est bien là, avec des lentilles, betteraves, de la mâche et tout assaisonné. Donc voilà, c'est fait. Les gars, j'ai complètement oublié de vous montrer les pommes. Oh waouh, ça a l'air trop bon les gars. Oh my god. Nous sommes vendredi et il est, je sais pas quelle heure, il est 19h50. Je suis rentrée un peu tard, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Et mais du coup, je me suis quand même préparée, je me suis habillée et tout. Et je vais faire une séance de Tabata.
Donc voilà, j'essaie de me motiver quand même, d'essayer de faire un peu là. Sinon, j'aurais fait que 2 séances en semaine. Faut qu'on essaye de rester focus, garder le mental. Et franchement, ça va me faire du bien de faire du sport. De ce soir. Ça m'a l'air tarpin bon. Donc on est vendredi et il est 21h. Voilà. Voilà. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous sommes samedi 19 février. C'est l'anniversaire de ma mère. Joyeux anniversaire, mam. Enfin, tu verras, ça sera passé depuis longtemps, mais happy birthday. Les gars, on va faire le petit déj. Donc on continue avec Croque Kilo. Franchement, on découvre des recettes de fou en plus. Alors, ce matin, quel jour sommes-nous? Aujourd'hui, c'est petit-déj anglais. Wouh! Donc, 50 g de pain toasté, clémentine et thé ou café. C'est parti, allons. Voilà le petit déjeuner de samedi 19 février. Bon appétit. Alors pour ce midi les gars, j'ai choisi une recette donc qui rentre dans les calories. Hein, voilà, c'est 462 calories. C'est non 350 calories normalement. La portion, faut que ce soit 80 grammes de macaroni. Donc ça c'est pour deux. Hein. Après ici j'avais ça, alors je me dis que je vais essayer ça parce que comme j'ai pas de fromage cheddar, du coup vu que j'ai que ça comme fromage, donc je vais essayer ça parce que voilà. Après ça au niveau calories c'est 332 calories, donc voilà ça devrait le faire, ça plus ça. Donc voilà le plat qui va au four et du coup je vais suivre. Hello. Yes bro. Bon il va se peser, je lui dis que ce serait mieux le matin mais bon. 91,20. Ah ouais, mais t'as pas perdu alors. Tu veux dire pourquoi t'as pas perdu? Ah, peut-être parce que j'ai bu de l'eau alors. Quoi? J'ai bu de l'eau aujourd'hui. Pardon? À vous tout maintenant. Intense. À vous ce que t'as eu cette semaine. Et laissez-moi tranquille. Dis la vérité. Il faut dire aux abonnés ce que t'as fait et d'ailleurs que tu n'as pas fait ton gage pour cela. J'allais lire moi un journal. Donc monsieur il a craqué. Dans la semaine il a bu une bière. Non. Si. Dis la vérité, t'as bu une bière. Tu t'es fait trahir quand t'as envoyé à tes potes, j'ai vu. Donc t'as bu une bière. Et en plus de ça t'as fait un resto le lundi. Donc voilà, faut avouer maintenant. Mais j'ai mangé que de la salade. Non, tu mens, t'as mangé des frites. T'as mangé des frites, t'as mangé quoi d'autre? Je suis sûre que t'as même pris une bière. Non, je m'en prie bien. T'as pris quoi? De l'eau. C'est vrai? Du Fanta. Voilà, en plus... Oh, plus c'est une boisson sucrée. Oh c'est une de la bière. Ouais, mais c'est pareil. Hein. C'est pareil. Non. Pour moi, c'est pareil. Et vous vous rendez compte? Et moi, j'ai pas eu de resto, j'ai pas fait de resto. Donc, c'est pas équitable. Donc... Conclusion, tu devras faire un gage. Parce que t'as bu une bière et machin cette semaine. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord. Toi, t'es d'accord, toi? J'ai eu peur. Voilà, des macaronis au fromage. Ça m'a l'air tarpin bon. Je suis trop contente qu'on puisse en manger dans 3 kilos. Donc voilà, bon appétit. Bon les gars, c'est l'heure du goûter. Je vais faire des popcorn au air fryer. Donc c'est la première fois que je vais faire popcorn au air fryer les gars. Donc j'ai mis ça. Donc normalement dans l'application Croque Kilo, j'ai vu voilà, pour une collation, on peut se faire genre 30 grammes de popcorn.
Donc voilà, maintenant il faut que je dose bien. Et ça rentre dans les calories que je peux manger par jour. Du coup, voilà, je vais essayer de faire une recette au air fryer. Et voilà, je vous montre un peu ce que. Les gars, j'entends ça pète. Je sais pas si l'entendre. Oui. Les gars, ça a fonctionné, mais je dirais à moitié, quoi. Hein. Que là, il reste plein de grains. Donc, bah, je vais finir à la casserole parce que voilà, quoi. Hein. C'est dommage. Bon, bah, le mieux, ça reste à la poêle, hein, les gars. Voilà, du coup, pour le coup, je suis bien la recette. Après, peut-être que j'ai pas mis 30 grammes. Là. J'ai dû mettre plus, je crois. Je sais pas, 30 grammes, c'est très petit, quoi. Je vais me faire un kiff, les gars. Et voilà ce que ça donne. Donc, j'ai eu le droit de mettre un peu de sucre. C'est trop bon. Et voilà nos repas de ce soir. Alors, c'est omelette asperges épinards. Des feuilles d'épinards. Lui, il a pris ça en plus. Des. Je sais pas. Il y a aussi du fromage comme ça. Et moi, pareil. Voilà. Moi, j'ai fait en salade les feuilles d'épinards et un yaourt. Voilà, bon appétit. Alors, c'est quoi ton petit-déj en ce dimanche? Donc, nous sommes dimanche 20 février, les gars. Tartine, pain complet. Pain complet. Cappuccino. Cappuccino. Yaourt. Yaourt. Alors voici mon petit déj aujourd'hui qui n'est certainement pas dans croque kilo. Hein. Mais les gars, j'avais envie de manger du granola quoi. Et j'avais des fraises. Donc voilà, j'ai fait du yaourt à la grecque ben, nature. Un petit sirop d'agave, du granola qui est bien sucré, par contre c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas dans ma chaîne, mais bon, la petite kiff du dimanche. Aujourd'hui c'est le jour des courses, aujourd'hui pas de randonnée, malheureusement pour moi, parce qu'il fait grave beau dehors. Mais pas de randonnée parce que monsieur il peut pas aujourd'hui, il doit bosser un truc. Et moi je m'avancerai sur mes trucs. Donc voilà les gars, on fait pas tout le temps des randonnées, hein. Il y a aussi des imprévus de la vie, donc voilà. Voilà. Les gars, retour de course. Donc voilà, on a fait pas mal de petites courses là. On a un peu dépassé le budget, mais on a pris des trucs pour notre chat, donc voilà, et puis d'autres petits trucs qui manquaient à la maison. Mais voilà, voilà, on va ranger et on vous retrouve après, parce que du coup, finalement, j'ai une bonne nouvelle. Valio me dit qu'on va aller faire la randonnée. Du coup, voilà, on va aller faire une petite randonnée. Et du coup, on va faire des sandwichs. On va pas suivre croque kilo aujourd'hui, je pense, parce que voilà, j'ai pas eu le temps de regarder sandwich machin. J'ai pris deux têtes comme ça. Mais à partir de lundi, on suit le menu et tout ça. Hein. Donc voilà. Allez, c'est parti, je range tout ça. Et on vous reprend juste après. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just gotta run and look behind you and say, everybody who wants to run, run. But I can't stop running because you're not running with me. Listen, listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life. Yo les gars, on vous reprend là, on vient d'arriver à un endroit où il y avait une gare. Alors du coup, moi, je lui dis viens on va faire pipi. Et puis là je vois qu'il parle au guichet là, à l'intérieur. Et puis, il me dit que on va faire ça. C'est la surprise. Ça, c'est la surprise, il me dit. Raconte un peu ta surprise. Je suis choquée que lui organisait des surprises. C'est rare les gars. Mais je comprends maintenant pourquoi il me stressait là. Depuis ce matin, il me stressait là pour qu'on parte à 14h15. Très exactement pour faire ça les gars. Vélo rail.
activité. On est de retour. Franchement, c'était trop bien. Je connaissais pas cette activité. Franchement, top. Du coup, là, on est dans la voiture. On est parti aux toilettes du coup, parce que là, on a une heure de route pour entrer à la maison. Et on a crié comme des malades dans le tunnel. Enchanté Adèle et tout. Et je crois que ça coûte 16 euros. 16 euros et on a fait à peu près une heure. Hein. Une heure. Ça a monté. Puis après, la descente, c'était trop cool. Ça allait super vite, la descente, parce que... Ben, c'était rapide quoi, genre on n'avait pas besoin de pédaler, c'était trop fun. Yo les gars, nous revoilà en cuisine. Donc on a deux plats à faire ce soir. Lui il va faire des nouilles chinoises au bœuf. Et moi je vais faire une salade de poireaux. Du coup voilà, c'est parti. De ce soir, donc c'est une salade poireaux échalotes, des œufs durs, de la mozzarella. Ici il y a deux clémentines, un carré de chocolat. D'habitude j'aime pas comme ça le chocolat noir, mais là bon écoutez, je vais essayer, peut-être ça passe. Et une infusion de drainage élimination au pamplemousse. Bon appétit.